Bonjour, nous sommes le 26 avril 2019, vendredi. Juste une toute petite vidéo pour dire que ma plainte a été traitée avec des irrégularités du début jusqu'à la fin. Je l'ai appris en fait par le médecin légiste qui était étonné de voilà de voir ce traitement. Voilà, donc il doit y avoir une raison pour laquelle on m'a fait manquer le délai des 8 jours volontairement donc au commissariat. Par leurs agissements, que je vais faire une petite vidéo plus tard. Donc on m'a fait manquer le délai de 8 jours où des prélèvements corporels auraient dû être faits et ça aurait été quand même plus compliqué après par exemple de falsifier, de saboter les deux preuves. Les preuves sur les objets, les vêtements et le prélèvement corporel. Le fait est que ces gens-là, les policiers, ils se sentent hors la loi, ils se sentent intouchables. Voilà, lorsque j'ai dit je me suis retrouvée avec une évaluation psychologique de 3 heures. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la règle, c'est comme ça que ça va de pair avec ce genre de plainte. C'est pas vrai, bien sûr, donc un mensonge éhonté. D'ailleurs, la secrétaire du médecin légiste, elle a pris ce qu'ils appellent la demande à réquisition à personne, un truc encore, enfin bref. Donc un papier pour un rendez-vous avec un médecin légiste. Et lorsque la secrétaire a vu que j'avançais un autre papier, elle a dit « Ah bon, elle a aussi ça ». Donc à aucun moment, elle a dit « Mais où est la demande d'une évaluation psychologique ?» Bien évidemment que non. Donc c'est assez stressant parce que, enfin de voir ça, de voir le traitement auquel j'ai eu droit, après que ma plainte a été prise, bon, de manière correcte, c'est vrai, je n'ai rien, quasiment rien à lui reprocher à la personne, même si ce n'était qu'une gardienne de la paix, elle a fait son job, mais je pense qu'il y a eu des pressions et que... Par exemple, les personnes qui sont venues à la même heure que moi, qui avaient rendez-vous à la même heure que moi, avec la même major que moi, eh bien, malgré qu'ils soient venus après moi, ils ont été reçus, c'était un couple, ils étaient reçus avant moi. Il est évident que c'est du RG, qu'il y a eu des pressions et qu'ils ont dû recevoir la consigne de la psychiatrisation. Qui est la règle en France surtout, mais qui est la règle aussi, il semblerait, ailleurs. Hein, il y a des cibles américaines qui en avaient parlé. Même s'ils font beaucoup plus de choses que nous, hein, comme je vous ai montré le petit panneau, où est-il? Enfin bon, vous le voyez dans une autre vidéo, dans ma vidéo précédente d'ailleurs. Ou sur des wagons de métro, il y a des banderoles de 5 mètres, enfin de 3 mètres de long et qui dénoncent l'electronic harassment, assault, quelque chose comme ça, le harcèlement électromagnétique et le gang stalking, bien sûr, hein, puisque ce qui m'est arrivé, c'est dans le cadre de cette criminalité absolument crapuleuse dont le but est de mettre la personne... De la plier, de l'anéantir, de l'asservir, de la soumettre. Vous pouvez toujours essayer. Voilà, ce soir je vais danser. Paix à toutes les personnes de bonne volonté
et les crapules, qu'il vous soit fait selon vos œuvres.